Allez, ça c'est pas mal, on va ramasser les cailloux. Ah, il y a... Ah mais ça, attends, je vais m'arrêter, il y a Coco. On va ouvrir la porte. Redescendre. Hey, salut! Oh, et alors? Ça Tu va? ramasses des cailloux? Ouais, mais il faut bien avant les semis. Ouais, tu vas flinguer ton matos sinon. Ouais, sinon à chaque fois c'est la merde quoi. T'as vu les réparations, après ça coûte cher. Hein. Oh, surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. Ouais. Dis-moi, tu viens chercher le big bag? Ouais, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que c'était possible. Ouais, tu les as le long là du mur, tu verras, tu pousses le massé et tu les as le long du mur là, à côté des veaux. Bon, ok. Donc Putain, du coup merci, t'as. ça me dépanne bien parce que. Pas de livraison avant un mois et demi, ça va faire chaud quoi. Ouais, j'ai appris ça, ouais. Et Surtout qu'est-ce. qu'Evon il est en arrière apparemment, mais l'usine ne suit pas derrière donc. C'est ça. Apparemment, ça vient pas de lui, hein, ça vient de l'usine. Hein. Mais de toute façon il est en arrêt aussi donc dans tous les cas on n'aurait pas eu de Ouais, livraison. dans tous les cas, on n'aurait pas eu de livraison, mais bon, on aurait pu aller la chercher, tu vois. Mais bon, ouais, j'ai appris ça, ouais, qu'il n'y avait pas de livraison. Donc bon, c'est un peu con, c'est quand même les semis importants. Oui puis dans un mois et demi la fenêtre elle sera morte quoi. Ah oui, c'est clair, hein. La fenêtre elle sera fermée là. Là, ils assurent pas. Hein. Franchement, Non, vraiment ils pas non. assurent pas. Hein. Bon, en tout cas, t'as tout ce qu'il faut là-bas, donc du coup, tu pousses le massé et tu verras, j'ai attelé le rasoir avec, donc le rouleau, donc tu le pousses et puis tu te sers quoi, t'en prends autant que tu Ok, veux, hein, ça marche. puisque moi le semoir est plein, Bon, donc je vais pas te dévaliser non plus, ouais. non, moi Faut pas déconner, il faut que je t'en laisse un peu quand même. il me reste deux parcelles à semer, une à labourer, deux parcelles à semer et après j'ai fini, donc c'est bon quoi. Bon, ok, parfait. Ok, ça te va? Je te remercie. Avec plaisir. Bon, à plus. Allez, ciao, bon Si courage. jamais t'appelles. Ouais, ça marche, sans Hein. souci, comme d'hab. Comme d'hab. Allez, je continue. Allez, salut. Salut. Allez, c'est parti, on va continuer. Hop, on va fermer la porte. Et c'est parti. Bon, ça se fait bien, là, franchement, il n'y a pas de souci. Ramasser les cailloux. Bon, c'est vrai qu'il faut le faire. Bon, ça va, on les ramasse plus à la main, hein, donc c'est faut pas non plus abuser, quoi. Mais c'est vrai que si on les ramasse pas, bon, c'est un peu. Après, les tracteurs et surtout la herse rotative, le semoir, ça s'abîme vachement, quoi. Donc, du coup, ça qu'on préfère, je préfère les ramasser. Au moins, on n'est pas embêté. Allez, j'ai reposé, ouais, c'est bon. Ouais, même si on en laisse deux ou trois, c'est pas très très grave, hein, mais voilà. Et bien on va continuer ça tranquillement, après on ira finir les labours. Bon, ça devrait être vite fait. Mon coco il prend ça et puis voilà. Bon, il m'en reste assez pour finir de semer tranquillement. Pas de soucis sur ce point-là. Du coup j'utilise le petit T5 là, de la Kuma. C'est vrai que. Ouais, il est pas mal ce petit T5. Franchement, ça change de. Ça change de massé. Ça repose le massé surtout parce que quand j'ai labouré là, je peux te dire qu'il braillait à fond les ballons. Il était vraiment à la coine quoi. Bon, ça le décalamine, tu me diras, mais bon. Mais bon, voilà quoi. Il fait du bien. Il fait du bien. Le champ que j'ai là-bas, il est plus plat. Ouais, il devrait moins forcer. Ça devrait être un peu mieux. Mais c'est vrai que à la charrue, c'est chaud. Hein. Allez, ça se fait bien. Ouais, ça se fait plutôt pas mal. Hop, là on va sortir par là. Il n'y a pas de voiture. Hop, on va reculer. Encore. On va agrandir un peu l'angle là. Voilà. Allez, pause. Ouais, c'est bon. Et on va pouvoir tourner. Et ça, voilà, ça se fait bien. Ça se fait même très très bien. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it, and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like you. Look so beautiful, and I'm so lucky to be yours.
ben ça avance bien finalement. On est tranquille là, on est pas mal, on a la clim. Même aussi au mois de septembre, il fait super beau en plus. On a eu de la pluie la semaine dernière. Parfait pour les semis de céréales. Donc ça, c'est cool. Bon, j'espère que Corentin, il s'en est sorti. Normalement, ça devrait aller. Voilà, bon, ça se fait bien. Hein. Hop là. On va faire marche arrière. Là, ça se fait super bien. Elle a une bonne contenance en plus de machine. Donc, ah, il est là, Coco. Il s'arrête. Alors, attends, je vais m'arrêter. On va ouvrir la porte. Voilà. Je t'emprunte ta masse, je te la ramènerai plus tard, parce que il a un poil léger. Ah ouais? Il cabre de l'avant, si tu veux, quand tu lèves les sacs. Y a pas de souci. J'avais pas prévu ça. C'était sûr 9 sur 10 là. Ah ben, c'est un petit tracteur de ferme, hein, c'est un valet. Oui, c'est vrai, Il est c'est vrai, pas c'est vrai. très lourd, hein. Il est pas très lourd, oui, c'est vrai, effectivement, ouais. Bon, mais tu l'as trouvé? Elle était. Ouais, Bon, ça marche. Bon, bah écoute, on fait comme ça, il n'y a pas de souci, t'inquiète. ok, ça marche. À plus. à plus, salut. Ah ouais, tiens, celle-là, elle est pas mal, t'es. Ah, mais c'était sûr, ça. Alors, mais. Ah, bah après, normal. Hein. Allez, c'est bon, ça marche, oui, c'est bon. Allez, j'ai réactivé la prise de force. Allez, oui, c'est bon. Je regarde quand même, parce que des fois. On discute, et puis. On oublie de réactiver les choses. Donc non, là c'est bon, ça marche bien. Allez, comme ça on pourra semer le champ tranquillement. Là je vais partir tout droit. Ça se fait super bien. Bon, j'ai pas besoin du GPS là, franchement, j'aurais pu le mettre, c'est vrai. Il a ce tracteur, le GPS, mais je l'ai pas mis. Donc du coup, bon, ça va, on fait au talent. On y va au talent. Allez, c'est parti. Hop, va. Ouais, c'est bon. Hop, on va aller de l'autre côté. On va reprendre de ce côté, on va finir le petit triangle là, qui va bien. Oh, il part un peu biscornu ce champ, mais bon. Et on a les champs qu'on a, et on peut pas faire autrement, malheureusement. On n'a pas le choix, on travaille les champs comme on les a. Et allez, on reprend ici, et on est bon. On pourra faire la remontée, et puis comme ça, les longes seront finies. Et puis, on va s'occuper. De ce champ, on va le semer tranquillement. Hop, allez, marche arrière. Voilà, un peu de tourner. On évite d'abîmer quand même. Allez, on monte. Oh, il s'en sort bien lui. Pourtant, elle donne du tirage cette machine, mais il s'en sort super bien ce tracteur. Franchement, il est et puis tout neuf. Hein. C'est un tracteur qui a 680 heures. Il est vraiment tout neuf. Tracteur de la Kuma. En général, c'est notre ouvrier qui s'en sert, hein, c'est Seb qui s'en sert. Donc, mais bon, là il est en vacances, le petit Seb. Alors, il fallait qu'on les lui donne parce que il a pas mal d'heures et on savait pas trop où les lui caler. Et puis bon, là il voulait partir un petit peu. Donc, on lui a dit avec Corentin, on lui a dit allez, vas-y, prends tes vacances et tu reviens-nous en forme. Même si, bon, c'est vrai que la période est un peu mal choisie parce qu'avec les semis et tout, on court un peu après le temps, mais ça va le faire. On y arrive. En général, avant on l'avait pas et on y arrivait, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas maintenant à nouveau. Et bien voilà, pratiquement fini le champ. Allez, et bien écoute, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, pas mal. On va pouvoir aller chercher. Il faut voir où c'est qu'il reste. Attends, on va faire une marche arrière là. Un petit peu mieux, on y verra un peu mieux. Ouais, il reste que ça, parfait. On va le prendre en travers et c'est bon. Il n'y a pas de cailloux. Et ça, on va le poser à la ferme. Il m'en reste un autre champ, mais on va d'abord s'occuper de celui-là. On va faire étape par étape. Voilà. Allez, c'est bon. On va pouvoir couper tout ça. On va la plier. Fais voir que ça fonctionne bien. Allez, super. Ça se replie bien. Et génial cette machine. Le chemin, elle est vraiment pas mal. Hein. Allez, on va sortir à l'angle là. On va pouvoir détruire la charrue. Non, attends, je peux pas sortir là. Je sorte là-bas. On sorte à la passière. Allez, c'est bon, il n'y a personne. Non, là, il n'y a pas grand monde qui vient ici. Un chemin privé. Petite route comme ça. C'est vrai qu'on a galéré pour la faire goudronner.
Mais on y est arrivé. On y est arrivé. Ça nous a coûté quand même des roms, mais on y est arrivé. Monsieur le maire ne voulait pas. Monsieur le maire ne voulait pas, mais finalement, bon, on l'a un peu fait de chantage, quoi, tu vois. Il a dit, si tu ne voudras pas le... Attends, on ouvre la porte. Le chemin, on ne revote pas pour toi. Allez, on va pouvoir laisser ça là. Ouais, on va dételer. Allez, on va dételer le tracteur. La charrue, il faut que je la déplie. Allez, on va la déplier. On démarre le tracteur. On va la déplier. Oui, mais lève-toi. Ah, oui. Voilà. Je m'en sers tellement souvent de ce charrue que je sais même plus comment elle fonctionne. On va pouvoir atteler le semoir et... Attends, il faut que je sorte l'autre tracteur, je crois. Bon, je devrais y arriver. Je devrais y arriver. Ah oui, tout est rangé, pratiquement. Il y a quelques trucs dehors, mais dans l'ensemble, tout est rangé. Et voilà, le semoir et l'aire sont rotatives. Et on va pouvoir commencer les semis. On va essayer. Continuer les semis, on va dire. Hein. Il me reste que deux champs. Allez, lève-toi. Voilà. Allez, voilà, on s'est mis en piste. C'est pas trop mal. Bon, lui, il sème. On sème à 19, 10 km heure, c'est pas mal. 8, ah oui, 7, ah oui, quand ça monte un peu là. Là. Voilà, c'est bon. Là, ça va mieux, là. Allez. Voir. Ah si, on est pas mal. Allez, marche arrière. C'est pas évident. Hop là. Quand ça monte, c'est pas facile. Hein. Il a chié un peu. Avec l'air sur rotative, là, elle donne du tirage. Mais bon. Si je mettais les traceurs, moi, ça serait pas plus con, non? Oh, quoique, faut voir ce que ça donne. Ouais, si. Allez, on va y aller au talent aussi. Normalement, on est bon. Allez, en descendant, ça ira mieux. On devrait le faire. Oh, en 4 mètres là. Ça va vite. Hein. Il n'y a pas de. Ça va relativement vite. Ouais, on sème à 11 km heure, c'est bien. Bien. C'est vrai que le champ il est relativement pas plat en haut là-haut. Il y a une butte. Avec ce vieux semoir. Il faudrait que j'investisse aussi, mais c'est cher les semoirs. J'ai regardé un petit peu là et c'est vrai que c'est pas donné. Hein. C'est vraiment vraiment pas donné quoi. Allez. Vous voulez un semoir avec une herse rotative hein, et intégrée, mais en 4 mètres. Hein, et en 4 mètres. Ouf, je sais pas, mais les tarifs ils ont sacrément augmenté. Hein. Je trouve que. Purée. Alors, on fait voir. Regardez derrière et quand même un peu. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Passer partout le matériel agricole, il fait pas un baissant. Hein. On a regardé un petit peu là. Je voulais changer de marque de tracteur. Et eh bien, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. On s'est regardé un petit peu les John Deere, mais. Non, c'est même pas la tête, la peine. C'est la marque la plus vendue en 2023, mais en 2022. Mais je comprends que aussi les tarifs ils ont sacrément augmenté. Et puis c'est le temps qu'il faut attendre pour avoir un tracteur, quoi. On est à plus d'un an d'attente pour avoir un tracteur commandé aujourd'hui, tu le reçois, tu le reçois mars l'année prochaine, quoi. C'est énorme le temps qu'il faut pour commander un tracteur et pour pouvoir l'avoir quoi. On parlait de Massé, on parlait de Noyoland avec Coco il n'y a pas longtemps et franchement quand tu vois que les semences déjà ils sont à la rue complet et bien, les tracteurs c'est pareil. Hein. Mais bon, beaucoup de matériel agricole d'ailleurs. Hein. On a beau dire c'est un peu pareil pour tout quoi. Hein. Et pas à l'époque c'était pas ça quand même. Hein. Enfin. Faut faire avec les joies de l'agriculture. Enfin, on est pas malheureux dans notre métier quand même. On est à l'air libre. On fait ce qu'on veut quand on veut et suivant le temps bien sûr, mais on a un emploi du temps, voilà, où on s'organise comme on veut. C'est le principal.
thousand times before. Baby, it's now or never. Gotta leave.